Salut à tous, c'est Aurélien Fontenoy, bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, on va prendre les virages et les virages en grande courbe avec un bon appui comme celui-là. Ça va se décomposer en 4 étapes. Première étape, ça va être d'anticiper son freinage. On a pas mal d'élan, l'idée ça va être de freiner en ligne droite. Le vélo n'est pas encore penché, je freine fort, l'avant, l'arrière. L'idée c'est de contrôler ma vitesse. Je vais, dans cette deuxième étape, essayer de prendre mon virage le plus haut possible. Donc là, je vais mettre ce bout de bois là, vous voyez, je suis carrément le plus à l'extérieur possible. Au plus vous pouvez anticiper votre virage, le prendre le plus large possible, au plus votre virage va être facile. Si on prend trop court, on va se retrouver bloqué et on va être complètement à l'arrêt dans le virage. Donc prendre bien large. Troisième étape, on va baisser sa pédale à l'extérieur du virage. On va baisser son corps, avoir la meilleure accroche. On va lever son coude extérieur. Votre regard va vous guider. Si vous regardez la sortie du virage, votre vélo ira à la sortie du virage. Et c'est arrivé vers les 3/4 du virage qu'on va commencer à repiquer pour reprendre de la vitesse. Et là, on peut repartir, on repédale et on anticipe. Voilà, j'espère que ce tuto sur les virages vous a plu. Si vous voulez d'autres tutos, n'hésitez pas à aller dans la rubrique tuto et il y aura plein de tutos sur le VTT. À bientôt les gars, ciao.